Salut, bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on se retrouve pour un bivouac en forêt, en hamac et en solitaire. Donc, je vais me trouver un petit coin où installer mon barda et puis on se retrouve là-bas. Bien, voilà ma maison pour la nuit. Alors ce soir au menu, je vais déguster un cake au lardon et au fromage bleu pour l'accompagner mon petit vin rouge, donc c'est un merlot. Et puis à côté j'ai mon jambon de Bayonne, jambon sec. Ensuite pour le dessert, je vais me faire une infusion de thym au miel. Voilà la vue que je vais avoir depuis le hamac. Donc c'est un champ de maïs caché par des jeunes noisetiers. Voilà, donc je viens de terminer mon repas. Là, je suis en train de me faire chauffer une infusion de thym dans laquelle je vais mettre du miel. Alors, c'est pas qu'il fait froid, hein, on est le 3 juillet, mais j'aime bien boire une petite infusion de thym le soir avant de me coucher. Et puis en plus, c'est bon pour la santé. Donc là, j'ai mis ma tasse en inox Tatonka sur mon réchaud à pyrolyse. Mon réchaud chinois, et c'est une vraie roquette ce réchaud. Il envoie du lourd, il est surpuissant. Et ce qui est bien, c'est qu'il fonctionne que avec des petits bouts de branches. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter à sortir le couteau, la scie. On ramasse du bois sec, on le casse à la main. Et c'est tout ce qu'il y a besoin pour alimenter le réchaud. Voilà, elle est bien colorée.
Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à boire mon infusion. Ensuite me caler dans le hamac dans lequel j'ai mis mon tapis Thermarest. Et puis on se retrouve demain matin. Allez, bonne nuit. Salut. Bah, il est presque 6h30, donc je vais me lever, faire un bon petit déjeuner et puis me préparer pour aller travailler. Ouais, j'ai bien dormi cette nuit. Ce qui m'a réveillé, c'est surtout le bruit des voitures sur la route. Mecs qui font les fangio. Et puis il y a une maison qui avait l'alarme qui sonnait sans arrêt, à peu près une fois par heure. Le vent m'a porté le bruit de l'alarme. Ah, je vais me faire mon petit déjeuner. Allez, à l'attaque! Bon alors le tapis de sol dans le hamac, génial. Vraiment nickel. Aussi bien pour isoler du froid pendant la nuit, parce qu'il a fait assez froid cette nuit, enfin surtout sur le matin, que bah, au niveau du confort pour poser la tête en dormant à la brésilienne, vraiment vraiment confortable. Moi, dans mon café du matin, à plus forte raison quand je le prends tôt comme aujourd'hui, je rajoute un bon morceau de beurre et ça aide la caféine à durer plus longtemps. Alors au menu ce matin pour le petit déjeuner, je me suis amené à peu près 33 centilitres de Tropicana multivitaminé. J'ai donc mon café au beurre, un petit kiwi et des galettes de riz aux graines de sésame avec du miel. Mon petit déj de champion.
Là, ça y est, j'ai fini de remballer mon paquetage. Maintenant, il me reste plus qu'à retourner à la voiture. Donc, évidemment, je laisse les lieux dans l'état où je les ai trouvés, comme d'habitude. Là, mon sac à dos rempli et pas très lourd, malgré les apparences. C'est le sac Alice médium avec sa clé de portage. En bas, mon tapis Thermarest Z-Lite. Voilà, donc là j'ai un petit kilomètre de marche pour regagner la voiture, donc je vais pas trop tarder. Voilà, je crois, je sais pas si on peut voir. Ah, c'est superbe ça, c'est superbe. Regardez-moi ça. Ah, mais c'est sur ces belles images de vie sauvage que je vous quitte. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme d'habitude, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!